Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 10h quasi. Ouais, j'ai cette tête là. J'ai sué comme une grosse cochonne toute la nuit. Ben, du coup, mes cheveux sont tout bizarroïdes. Voilà, mais bon. Écoutez, hein, pour traîner à la maison. On va pas trop chipoter, hein. On s'en fout un peu de la tête que j'ai en fait. Alors, ce matin j'ai fait sortir les chichous, ils sont sortis pendant plus de 3 heures. Je viens de les faire rentrer là il y a une petite demi-heure. Ils sont éclatés, surtout Queenie sur mon fauteuil bascule. Elle prenait la pause et tout, elle était trop belle. Voilà, voilà. Là, ils dorment. Aujourd'hui je ne vais rien faire de spécial, j'ai froid. Voilà. Hier je suais comme une cochonne parce que il faisait presque 35 degrés. Aujourd'hui il fait 19. Bon, bon, bon. Et il prévoit 25-26 à partir de la semaine prochaine. Mais du coup, hier on crevait de chaud, on n'en pouvait plus. J'ai se balader dans quel but ici tellement il faisait chaud. Et aujourd'hui il fait 19 degrés, il fait tout gris. D'ailleurs je me demande si. Je ne sais pas si c'est à cause de, du fait qu'il n'y ait pas de soleil dehors. En plus, il y a la tonnelle qui est, enfin la pergola qui est en grand. Donc ça me cache la lumière de la fenêtre. Mais je ne sais pas si c'est ma lampe qui éclaire moins que d'habitude ou si c'est à cause de ça, quoi. Parce que là, depuis ce matin, je suis en train de me poser la question. J'ai quand même l'impression qu'elle éclaire moins que d'habitude, quoi. Mais bon, après, avec moi, des fois. Hier, on s'est fait un petit plat froid puisqu'on avait rendez-vous chez le dentiste pour monsieur. Donc on est rentré, on a eu fini vers 18h. Enfin, 17h45, un truc comme ça. Du coup, on est passé au Cora pour faire 2-3 courses pour manger froid. Donc, on a fait un plateau de charcuterie, une salade de patates, mais avec des patates en boîte. Du coup, c'était bien bon. Et puis, des carottes râpées. Et on a mangé dehors. Il faisait bon à cette heure-là, le soir, parce qu'on a mangé, il était presque 21h. Le temps de rentrer, de ranger les courses, de faire tout ce qu'on avait à faire en rentrant et de préparer le repas. Ben, okay. Ils étaient que du plat froid, il n'y avait rien à cuire, ça a pris du temps de faire les plateaux et tout ça. La salade. Mais du coup, on a mangé, il était presque 21h et là, il faisait bon dehors. Oh, on était bien, on était tous les quatre dehors en train de discuter, de rigoler et tout. Ça nous a fait du bien. Hier, j'ai reçu mes perles. Donc, comme je vous ai demandé dans le précédent vlog, que moi, il sort ce soir pour moi, donc je n'aurai que la réponse à partir de ce soir. Plusieurs jours après, quand vous me répondrez, j'ai reçu mes perles et mes pinces. J'ai acheté des pinces françaises, donc les pinces à ressort là, pour faire des accessoires cheveux. Et ben, du coup, je me suis fait le bracelet que je vous ai montré dans le précédent vlog avec les petits carrés. Du coup, je me suis fait des petites pinces pour mes cheveux. Voilà. Donc là, c'est les toutes petites barrettes, hein. Il y a plusieurs tailles dedans. Et j'ai fait dans cette couleur-là aussi. Et après, je vais réfléchir à d'autres formes pour faire... Parce que moi, les accessoires cheveux, vous savez que voilà, c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, j'en ai commandé plein, des accessoires cheveux. Mais ça, je vous ferai un petit haul spécial, accessoires cheveux. Et dans les perles que j'ai reçues, il y avait des petites lettres. Alors du coup, je me suis fait celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je vais le mettre sur ma main, comme ça, j'aurais plus facile à vous le montrer. Je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Puis je me suis amusée à faire les prénoms de mes neveux et nièces, de la copine d'Enzo et de la copine de Sam. J'adore faire pour offrir comme ça. Donc, voilà, voilà. Et c'est tout. Voilà, aujourd'hui va pas se passer grand chose. J'ai du montage à faire, mais j'ai trop la flemme. Là, j'ai vraiment une flemme. J'ai mal dormi. J'ai dormi longtemps par rapport à d'habitude, mais j'ai mal dormi. En même temps, oui, on s'est fait réveiller en plein milieu de la nuit par un coup de tonnerre. Mais vraiment, il était juste au-dessus de la maison, quoi. Le chien, les trois chiens qui étaient dans la chambre, ils ont fait un bond, mais Ryan a très peur de l'orage. Donc après, il était paniqué, il tournait en rond dans la chambre et tout. J'arrivais pas à le calmer et tout. Oh, pour finir, j'ai réussi à le faire se recoucher, puis ça a repété un coup, quoi, un quart d'heure après. Donc là, il est descendu.
Ou alors il a été se coucher près des garçons, je ne sais pas, mais il a eu peur. Il a très peur de l'orage et des feux d'artifice et tout ça, forcément, tout ce qui... enfin, tous les bruits secs, il a peur. Riley, ça va, les deux petits se sont vite rendormis. Ils ont été... On a tous été saisis, hein. Bon, à part monsieur et les garçons qui ont certainement rien entendu, mais moi j'ai eu peur aussi. Enfin, j'ai été saisi parce que j'ai pas peur de l'orage, mais j'ai été effrayé, quoi. Et pourtant, j'adore l'orage, donc imaginez-vous comme ça a bien dû péter, hein, parce que moi j'adore l'orage. C'est un truc qui m'apaise, je sais pas pourquoi, hein, mais j'adore regarder les éclairs et j'adore entendre le bruit du tonnerre. Mais là, c'était vraiment très boum, très très boum boum. Donc voilà. Là, je pense que je vais faire un petit peu de perlouse avant d'attendre l'heure de manger et d'aller me pioter. Je suis pas épuisée, donc ça va. Je commence à sentir la fatigue parce que c'est l'heure. Hein. Mais je me suis réveillée à quelle heure aujourd'hui? 7h. Donc je sens que c'est retardé d'une heure par rapport aux heures où je me lève d'habitude. Mais ouais, je me suis occupée des chichous à fond ce matin. J'ai donné quelques verres au Titi, sauf que ben, avec la chaleur des trois derniers jours, là, il n'y a presque plus de verres de farine dans le truc. Ils sont déjà tous. Ils ont déjà tous éclos en espèce de scarabée, je sais pas quoi là. Donc je vais pouvoir les jeter, il va falloir aller en racheter. Parce qu'ils ne les mangent pas, les petits scarabées, là, hein, c'est chiant. Ils adorent les grosses blattes, mais alors les petits scarabées, il faudra que je leur donne une blatte, mais il faut que j'enlève tout le bordel qu'il y a sur la boîte. En même temps, je me souviens qu'il y a des boîtes une fois tous les 6 mois, moi. Des blattes, pas des boîtes. J'ai dit quoi? Blattes ou boîtes? Je ne sais plus. Enfin bref, je me souviens qu'il y en a tous les 6 mois. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de mal, pour qu'il n'y ait plus de reproduction, pour liquider tout ça. Et voilà. Après-midi, je vais essayer de nettoyer. Si Enzo me passe un coup d'aspiroche, comme ça, moi, je peux juste nettoyer par terre et j'ai pas trop mal. Parce que là, avec les chaleurs, les douleurs, ça a été affreux. Alors, j'ai mal quand il fait super froid, mais apparemment, quand il fait super chaud, ça fait mal aussi. Donc, voilà. Puis bon, la fatigue qui se cumule aussi. Et sinon, ben, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Donc sur ce, je pense qu'on va switcher le jour. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cette semaine, mais je pense que je vais essayer. Je dis bien essayer, hein, parce que moi et ma motivation, ça fluctue. J'aimerais bien essayer de commencer à ranger mon bureau quand même. Parce que c'est vraiment un bourson pas possible. Quoi. On ne sait même plus mettre un pied devant l'autre dans ce bazar. Le seul truc qui est rangé, c'est ce que vous voyez en fond quand je filme. Hein. Le reste, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure, je ne sais même plus mettre un pied devant l'autre. Quand je dois aller chercher un truc dans mon bureau, je pleure. Donc voilà, on va essayer de faire ça cette semaine. Je me suis auto-spoilé la box de ce mois-ci de Pélouise. Donc celle que je vous ai présentée, j'avais dit que c'était la box d'août, mais en fait c'était celle de juillet. En fait, ils font les envois le 28 pour le mois en cours. Donc le temps de les recevoir, on les a début du mois, quoi, je vais dire, suivant. Mais c'est la box du mois, c'est rétroactif en fait, c'est... Là, j'ai reçu la box de juillet et le 28 août, ils m'enverront la box d'août. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Bref. Voilà, voilà. Bon. J'essuie comme une cochonne, mes cheveux sont raplapla, mais je peux pas les laver. Je les ai lavés hier ou avant-hier. Hein. J'ai plus. Donc, je peux pas les laver maintenant. Sinon, ils vont commencer à redevenir trop gras. Donc, je pense que je vais. Tantôt, je vais les attacher. Enfin, quoique pour traîner à la maison. Et vous voyez les repousses que j'ai? Jusque là. Ça a bien repoussé, hein. Oui, parce qu'ils étaient quand même assez courts. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, on suit le jour. Alors il est 9h. C'est sympa. Donc je vous ai pas pris hier parce que bah, c'était le 15 août et que je n'ai absolument rien foutu. Ça fait bah, je crois que j'ai rien foutu sur les 3 jours de vlog là. Et aujourd'hui je vais rien foutre hein, clairement. Je suis à fond dans mes perlouses donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors on va commencer par la lampe. Chérie doit encore aller la changer. Vous savez, la dernière fois qu'on a eu de l'orage, elle s'allumait plus, donc il a été la changer. Là, on a eu de l'orage, hein. Je vous ai dit que Ryan avait fait un bond, et depuis, elle éclaire vachement moins bien, et de temps en temps, elle fait un flash. Donc, voilà, donc ce soir, il va
Quand il va rentrer du boulot, il va la démonter et aller la changer. J'espère. Sinon, ce sera demain. Aujourd'hui, je vais nettoyer parce que il faut que je le fasse. J'ai pas fait de la semaine, je crois. Donc là, il faut vraiment que je le fasse. Surtout que Ryan continue à perdre des poils. Je sais pas comment ça se fait qu'il perd encore des poils à cette heure-ci, lui. Et voilà. Alors, Jerry m'a fait un cadeau. Vivement décembre. Il m'a offert le calendrier de l'Avent Louise, puisque j'hésitais. Et parce qu'il a augmenté hein, par rapport à l'année dernière. Il a pris... L'année dernière, il était 250 et là, il est 295, je crois. Donc, il a pris presque 50 balles. Et j'hésitais fortement, mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur sur ce calendrier l'année dernière. Même si les teintes ne me correspondaient pas des masses, les soins, je kiffe les soins Louise. Gros coup de cœur pour les soins Louise. Et pour beaucoup de choses d'ailleurs, Louise. Donc, leur palette aussi, j'aime beaucoup leur fard à paupières. La pas de chance, celle que j'ai eue dans la box. Elle correspondait trop à celle qu'on a eue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc là, je me suis dit, je lui donne encore une chance cette année. Donc j'hésitais, j'avais les sous de côté, puis j'hésitais, et puis j'ai fait une commande pour le swap de Manon qui m'a bouffé presque tout l'argent que j'avais de côté pour le calendrier. Donc du coup, j'avais plus les sous, et j'hésitais, et puis j'ai rien offert. Donc voilà. Et en plus, je me suis dit, comme c'est un train cette année, et mon neveu est fan de train, je me suis dit, après, je vais pouvoir lui repeindre. Et comme ça, il aura un gros train dans sa chambre, parce que le bazar va être immense. Hein. Donc ça fait double emploi. Voilà, ça fera plaisir à moi et à mon neveu. Donc vivement décembre, le 1er décembre, qu'on puisse commencer à ouvrir ça. Donc comme d'hab, on les ouvrira en vlog. Hein. Puisque ben, je vais prendre le DM, ça c'est sûr. Le Glam Shop, j'hésite. Je vais voir le 30, il y a le calendrier, le 30 août là. Beauty Bay qui sort, Beauty Bay a sorti un calendrier. Donc je vais voir par rapport au tarif et à ce qu'il y a dedans. Je prendrai peut-être juste celui-là et pas Glam Shop ou peut-être les deux, je ne sais pas. Je verrai suivant mon budget parce qu'il y a le swap aussi. Donc voilà. Après, plus je prends le calendrier, plus c'est avantageux pour vous, puisque tout ce que je n'utiliserai pas des box Louise que je vais recevoir et jusqu'en décembre, donc, et comment ? Et les calendriers de l'Avent, tous les produits que je n'utiliserai pas, ben, ça sera pour vous pour le concours de Noël. Voilà. Donc, je vais vous montrer les bijoux que j'ai fait. Alors, je ne vous les montre pas tous parce que, bon, je vous le dis. Voilà, je voulais pas vous le dire si tôt, mais je vous le dis quand même. Je suis en train de vous préparer un concours supplémentaire en novembre, que c'est la première fois que je vais faire. Mais comme j'ai la lubie pour l'instant des bijoux en perles et compagnie, je vais vous faire un calendrier de l'Avent spécial bijoux en perles et compagnie. Voilà, avec un plus beau lot pour le 25. Alors, ça sera pas un truc de fou. Parce qu'il y a le concours de Noël et là, vous allez bientôt avoir le 26, vous aurez le concours des 12 ans de la chaîne que j'ai fait plus tard cette année. Donc là, sur les... on va être en septembre, donc on va dire septembre, octobre, novembre, décembre. Sur les 4 mois qui restent, vous allez avoir 3 concours. Donc voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et au moins, je peux faire des bijoux... que je sais quoi en faire, parce que je vais pas avoir une boîte à bijoux comme ça et que je sais pas quoi en faire. Donc bon, après j'en offre hein, aussi à ma famille et tout ça. Là, il y a la copine de d'Enzo qui vient ce week-end, donc voilà, elle va me passer commande je suppose et on va voir ce qu'elle veut, mais je lui ferai directement. Faut que j'en fasse un pour Enzo. Enzo m'en a demandé un aussi là, il a vu des perles noires, blanches et grises un peu marbrées comme ça qu'il aime bien. Et voilà, mais comme ça voilà, vous le savez. Yuki, c'est pas possible. Yuki Riley. Je suis en train de regarder s'il faut que je refasse mes sourcils longs et je pense que parce que il me semble pas que je... Et puis là ça commence.
Non, parsemée. Elle m'énerve. Je viens de remettre les coussins sur le canapé. À l'instant, juste avant de commencer à enregistrer. Elle sait pas jouer sans faire du bruit, c'est quand même un truc. Prise de catch. Et hop, le coussin est par terre. Voilà ce que je subis toute la journée. Qu'est-ce qu'ils m'ont patte, ça fait plus. Hein? Ils savent pas prendre un jouet au lieu de se mordre les deux. Hop, attendez, c'est dans l'autre sens. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai un peu fouillé. Alors déjà, j'ai fait des pinces à bijoux, des pinces à cheveux, avec ces strass là que j'avais acheté pour faire un make-up. Je faisais l'alphabet challenge pour faire le pan. Et du coup, j'en ai collé deux sur une barrette française. Et j'ai rajouté du fil aussi pour que ça tienne bien, parce que juste la super glue, j'ai un peu peur que ça se barre. Mais voilà, c'est très joli. Et ça, mes cheveux, ça sera très joli. Alors, tout va être emmêlé. Attendez, parce que je prends mes fils avec. C'est un bordel sans nom sur mon bureau. Alors, j'ai retrouvé aussi mes chaînes comme ça. C'est des chaînes, pas celles-là, mais c'est parce que j'ai retrouvé mes chaînettes de téléphone. Donc, je me suis fait des bracelets, tout simplement. Voilà. J'ai fait celui-là. Et je me suis fait un en vert. Je me suis fait un collier. Donc celui-là, c'est ceux des téléphones que j'avais acheté. Alors attendez, parce que je suis en train de me vautrer en plus. Et j'ai fait également celui-là. Voilà. J'ai retrouvé dans toutes les chaînes que j'avais achetées il y a un certain temps sur Vinted. Alors j'ai eu du mal à trouver le système de fermeture, donc je me suis fait ce collier là et j'ai juste mis deux petits mousquetons comme ça. Donc il suffit d'ouvrir le mousqueton dans ce sens là et puis vous le remettez dans l'autre sens, parce que vous voyez, il rentre pas jusqu'ici. Ça aurait été plus simple, mais je vais pas mettre des trop gros. Oh, mais c'est pas vrai. Je vous montre le système de fermeture, parce que ça, je vous en ai fait un aussi. Alors, avec les trucs de téléphone, il y avait le petit nounours comme ça. Là, je me suis fait un collier. Voilà. Je me suis fait ce collier-là en double rang, juste en rocaille. Mais j'aimais beaucoup les rocailles ici, celle du dessus. C'est dès que j'ai commandé sur Temu. Sont très belles. J'ai fait, donc j'avais acheté du fil, je suis désolée, hein, du fil de deux couleurs comme ça. Donc là, j'en ai déjà fait deux, un de chaque couleur, avec des perles blanches, mais je vais faire avec des perles d'autres couleurs aussi. Alors attendez, parce que moi je me mets des petits aimants, d'ailleurs je viens de se barrer du truc. Pour avoir plus facile à les fermer, mais vous, je vous mets des petits mousquetons pour avoir plus facile et mettre une chaînette pour pouvoir le régler. Hein. Donc ça, si vous en avez plusieurs au bras, ça donne super bien. Et là, je suis en train de faire des rats de cou avec un petit. Voilà, voilà. Et je m'éclate. Maintenant, quand vous allez recevoir, vous,
enfin, la personne qui aura gagné le concours. Les autres concours, je vais vous en mettre aussi, hein, de temps en temps, je vous en mettrai quelques-uns. Il se peut que les petits anneaux soient mal fermés ou que ça sorte. Donc il suffit de repincer quoi, un anneau. Mais des fois, comme j'ai super mal la main, j'ai plus assez de force pour bien le remettre comme il faut. Donc des fois, vous voyez par exemple mon petit bracelet que je viens de le mettre. Oh Riley! Vous voyez ici, il est sorti de l'anneau, le fermoir. Donc, parce que ça c'est hyper fin les cachenures. Enfin, vous voyez pas bien, mais donc il va falloir que je le resserre correctement. Toute la journée c'est comme ça. Hein. Bon. Faudra aussi que je lisse mes cheveux. Hier j'ai refait le big shampoing. Avec les soins et tout. Et du coup, j'ai une moumoute comme ça sur la tête. Alors, ils sont tout doux. J'adore quand je fais ça. Ils sont tout doux, mais il faut que je les lisse parce qu'ils sont très volumineux. Et j'ai un mauvais volume. Je ne peux plus. Hier, j'ai terminé Dynasty. C'était trop bien, ça, j'avais regardé que la saison 1, donc là j'ai rattrapé toutes les saisons d'un coup. Et j'adore l'actrice, enfin j'adore le personnage de Fallon, elle est excellente. Riley! Attendez, je vais... Prends un jouet, comme ça tu fermes ta gueule. Non! Non! C'est pas de ma faute si tu tombes, t'as un trop gros cul. mais arrête de me lécher. Là, j'attends avec impatience le 13 septembre pour Uglies, que j'ai envie de regarder. Mais là, j'ai recommencé les frères Scott. Voilà. Oui. Au moins, tant que je fais des bisous, elle se tait. Oh oui, oh oui. Oh, oh là là. Et après, on dit que les chiens n'aiment pas les bisous. Celle-ci, elle adore les bisous. Oui, mais stop. Il y a Yuki en dessous, alors voilà. Voilà, voilà. Donc, ce vlog ne sera pas bien long. Déjà, il y a une journée où j'ai pas filmé parce que j'ai rien glandé. Là, je vais vite passer un coup de balai avant de rattaquer mes perles et tout ça. Je vais monter le vlog aussi, qui sera vraiment très court, mais... très intense. chérie en congé la semaine prochaine, donc j'espère que j'arriverai à filmer. Et j'aimerais bien refaire mes ongles aussi. Les plier en deux. Non, pas léger. Voilà. J'essaye un petit peu de remettre de l'ordre sur ma table parce qu'avec mes perles, j'ai du bordel partout. Et ce week-end, comme la copine d'Enzo vient, je vais lui demander qu'elle me fasse ma petite déco Harry Potter là, que vous n'avez pas encore vu dans le hall. Le hall, c'est lundi. Que vous verrez lundi dans le hall. Parce que j'ai regardé les détails, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petit pour moi. J'avais pas pensé à ce détail-là. À ce détail-là. Entre la découpe des trucs qui sont rikiki et que j'ai mal aux mains. Et le collage des trucs, alors que j'ai mal aux mains et que j'ai des mauvais yeux, ça va juste être pas possible. Donc je vais demander à ma belle-fille qu'elle me le fasse. Elle aime bien tout ce qui est ces trucs-là. Et voilà. J'ai dû refiler aussi un peu un de mes diamond painting pour qu'elle me mette, qu'elle me le fasse pour mettre dans la salle de bain. Parce que ça résonne, hein, vu qu'il n'y a pas de déco. Et voilà, voilà. Arrête! Ouais, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Alors j'avais dit qu'on rangerait le bureau, mais ben, comme j'ai rien foutu, c'est juste pas possible. Et voilà. Tu descends? Tu descends? Tu descends ou pas? Il y en a un qui boude, il est parti au bout d'heure. Il est parti près du gros. Donc voilà, je vais pouvoir ranger maintenant tous les petits bijoux que j'ai fait. Aïe, allez, descends, parce qu'avec ton gros cul, tu me fais mal. Et puis c'est tout.
Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On monte, je suis trop contente, ça monte bien. L'algorithme a enfin compris après 12 ans que j'avais une chaîne YouTube et que je faisais des vidéos et qu'il fallait un petit peu les mettre en avant. Et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. J'en fous un par terre, c'est l'autre qui me crame dessus. Et puis c'est tout. Donc, ben, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.